Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto fête des pères pour réaliser une petite boîte comme celle-ci. Voilà, donc une petite boîte dans laquelle on va retrouver un petit porte-clés donc pour la fête des pères. Voilà, donc on se retrouve avec les explications et le matériel pour réaliser votre petite boîte. Alors pour réaliser votre boîte cadeau pour la fête des pères, il va vous falloir des perlamas. Donc moi j'ai choisi des rouges, des noirs et des blanches. Il va vous falloir de la colle, des pinces, une plaque carrée avec les petits picots pour faire les perles, du papier sulfurisé pour repasser évidemment, un fer à repasser. Il va vous falloir également un anneau de porte-clés. Voilà, donc si vous n'en avez pas, vous n'en trouvez pas en magasin, prenez sur un vieux porte-clés que vous démontez, hein, tout simplement. Voilà, donc on va passer aux explications. Donc en premier lieu, il va vous falloir réaliser le dessus de la boîte donc en perlamas comme ceci, en faisant un carré donc de 14 par 15 et en faisant le petit dessin. Vous pouvez retrouver tous les modèles sur mon site internet creabulle.fr. Je vous mets le lien de l'article qui contient le modèle de la plaque pour réaliser donc ce carré. Une fois que vous avez fait ce carré là qui va servir de capuchon, ici, on va faire un autre carré vide, ce coup-ci, de 13 par 14, donc qui sera plus petit que le premier, et qu'on va venir coller ici pour réaliser donc un capuchon. Je vais vous montrer le collage. Donc en fait, je vais venir mettre de la colle sur les perles qui se trouvent sur le carré. Donc la colle, c'est une colle universelle, hein. Voilà, donc une fois que j'ai mis ma colle, je vais venir l'appliquer ici. Donc il faut qu'il y ait un rang qui dépasse en fait de chaque. Donc pour pouvoir après venir mettre le capuchon à l'intérieur de la boîte pour que ça ferme. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ensuite, on va passer à la création de la boîte elle-même. Il faut la plaque du fond, donc moi c'est une plaque toute blanche, et puis il va vous falloir en plus donc 5 carrés vides comme ça. Moi j'ai fait 2 rouges et 2 noirs. Comme ceci, que je vais venir superposer pour créer la forme de ma boîte. Voilà, donc on va passer au collage. Donc comme pour le capuchon, on va coller, donc superposer les carrés. Donc moi je vais faire blanc, rouge, noir, blanc, rouge, noir, tout simplement. Donc je vais venir mettre la colle sur mon cadre et puis les coller au fur et à mesure. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc je vous rappelle, pour réaliser votre boîte, on fait un carré comme ça plein avec des perles. Donc un carré, c'est plutôt un rectangle de 15 par 14 plein blanc, puis des rectangles vides comme ceci de 15 par 14 également, mais vides. Voilà. Donc en attendant le séchage de ma boîte, je vais venir réaliser mon porte-clés moustache. Donc tout d'abord, ce qu'il faut réaliser, c'est une petite moustache comme ceci, tout simplement. Donc comme je vous le disais, vous pouvez retrouver le modèle sur mon site internet creabulle.fr, le lien est en barre d'infos. Et puis donc il va vous falloir votre anneau de porte-clés et deux pinces si c'est un anneau porte-clés assez solide. Donc tout d'abord, on va ouvrir l'anneau de porte-clés. Donc on le prend avec les deux pinces et on ouvre au plus fort comme ceci. Donc c'est le dernier anneau de la chaînette. Et puis on va le mettre sur une perle. Donc il ne faut pas trop repasser vos perles pour qu'il y ait encore les trous. Et puis on va venir passer ici l'anneau à l'intérieur et refermer tout simplement. Et votre porte-clés est terminé. Et voilà,
Vous pourrez donc le mettre à l'intérieur de votre boîte pour l'offrir. Voilà, j'espère que ma vidéo boîte fête des pères vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet creabule.fr, sur ma page Facebook Creabule et sur ma chaîne Creabule, encore une fois. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et merci encore. Bye bye!